Une petite question, il n'y a pas de porte de formation? Non, c'est parti, les gars. Ah, ok. Un diabolique qui nous a serré cette limite. Putain, mais il était chiant. Désolé, gros. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur cette troisième manche du championnat FRU. Donc, voilà, on se retrouve avec un départ pas facile. Hein. Ah, vas-y. Attention, là, cette limite. Bah, t'as disparu. Et on se retrouve déjà quatrième. Incroyable, c'est pas du tout ce que j'imaginais, c'est génial. On va essayer de rouler prudemment. Si on arrive à tenir ce genre de plage jusqu'à la fin, ce serait extraordinaire. Ça va pas être facile parce que derrière on a des gars qui sont un peu plus rapides que nous. Mais c'est pas vrai. Faut que je fasse aussi attention à mes pneus parce que après mes simulations j'avais laté mes pneus. C'était très fatigué en fin de course. Donc il va falloir essayer de gérer un peu les pneus quand même. Quant à l'essence, contrairement à Monza, normalement je finis pile poil. Voilà, c'est un paramètre de moins à surveiller. J'ai un bon lièvre avec fusion. Je m'accroche le plus longtemps possible. Thank you.
J'ai l'impression que le temps se brume. Alors on peut avoir de la pluie, c'est une éventualité aujourd'hui. Là, ça commence vraiment à se foncer là. Voilà, ma stratégie au stand est prête au cas où qu'il pleuvrait. Maintenant, on peut reprendre à rouler correctement. Chris m'a mis une pression et je l'ai lâché. J'étais obligé de m'écarter. Il a failli me faire à l'intérieur. Si j'étais arrêté, je pense qu'il m'aurait percuté. C'est assombri.
pas de pluie à l'horizon. Désolé. Ah bah. Pas de pluie à l'horizon.
les pneus commencent à fatiguer déjà, ça se sent. Ça va complètement du temps. Dans l'herbe. Je vais jouer un peu plus à sécurité parce que je sens que les pneus fatiguent. Pris un peu d'avance sur mon ami Infernus. Désolé Spike Flake. 3 secondes et demie. On va essayer de rester aux alentours des 2 secondes de Chris. Et on verra plus sur la fin de course. J'ai l'impression que le soleil revient. Oui, c'est certain.
est en train de revenir sur Chris alors que je force pas trop. Serait-il un peu handicapé avec ses pneus ou fatigue-t-il un peu, peut-être, on sait jamais. Merde.
crois que David a une voiture abîmée. Oh là là, il y en a serré dur là. Je sais pas ce que j'ai vu pour l'éviter, mais du coup je perds vachement de temps. J'ai presque 3 secondes de prise maintenant. Bon. Ouais, sa voiture abîmée, c'est sûr. Ce qui m'arrange là, c'est plutôt que ce soit pas trop abîmé et qu'il se batte avec Chris. Et que j'en profite. Il a l'air de repartir, David. Il était peut-être pas abîmé, il était peut-être en délicatesse, simplement. Peut-être les pneus allaient se chauffer. David est vraiment plus rapide. Déjà une surprise.
vraiment accélérer devant. Bon, je peux pas aller vraiment plus vite. Je suis déjà en délicatesse avec mes pneus. En essence, c'est bon. Ah, sur ce tour, je suis en train de revenir. J'ai repris quasiment une seconde. Étonnant ça. Ah non, c'est le chrono qui bug. J'ai perdu la seconde, pas possible. N'importe quoi. Il y a un bug de temps, celui-là j'ai repris une seconde. Je reste dans les 2 minutes 0, c'est très bien. Et voilà, j'ai repéré la seconde. Donc il y avait un problème avec le compteur. Cinquième, c'est une excellente place, très gros point. Il faut ramener la voiture tranquillement au bout. Il reste moins de 20 minutes. Là,
un peu de lag là, je sais pas pourquoi. C'est assez agréable. Bon bah moi qui espérais la pluie, ça semble mal parti là. Des lags dans cette partie à chaque fois, c'est bien chiant. ...16 minutes, on ira au bout comme ça, mais... je suis pas capable de savoir pourquoi. Je crois que devant ils se sont rapprochés l'un de l'autre. Voilà, ça va être le no man's land jusqu'au bout. Hein. 8 secondes de retard sur David et 8 secondes d'avance sur Infernus. On va réussir à rester concentré. C'est dans ces moments que c'est le plus dur. Ah bah, j'ai pas eu de lag. Bon, c'est bien si ça marche bien. Là, ce que je viens de faire. Ah.
deuxième entre les deux. Il doit se passer quelque chose. Je crois qu'on va rester en 3 maintenant, à cet endroit-là. Ça m'évite de faire du survirage, j'ai les pneus arrière fatigués là. Ah, il glisse vraiment là. Ça fait comme dans la simulation l'autre jour que j'ai faite, les derniers tours c'était un calvaire. Je me demande si je vais pas augmenter le TC. 10 secondes d'avance. À 3, ça devient tendu. J'aurai normalement assez d'essence. Ah, c'est mieux avec le TC à 3. De l'autre côté les copains là. Quand je vous dis que ça va, les pneus sont morts.
ce gars, j'aurais pas eu 3 secondes dans l'histoire là. Il est même peut-être 4 secondes. Plus de 4 secondes. Bon bah là certain maintenant, à mon grand regret, il ne pleuvra pas. C'est 3 voire 4 tours.
Alors si vous me voyez souvent regarder en bas à gauche, c'est parce que j'ai les temps avec les pilotes devant et derrière moi. Et si vous me voyez regarder en haut, au centre, c'est parce qu'il y a l'heure et le temps restant. Et enfin, si vous vous demandez comment c'est possible que je parle et que personne ne m'entende, et que de temps en temps je peux parler aux autres et ils m'entendent, tout simplement c'est que j'ai assigné un bouton sur mon volant pour parler sur le Discord. Donc, tant que j'appuie pas, je peux raconter ma vie dans la vidéo. Et pour leur parler, j'ai juste appuyé sur le bouton. Voilà, voilà. Je commence un petit peu à fatiguer, là, j'ai un peu mal aux jambes. Normalement, c'est l'avant-dernier tour. Eh ben, ma foi. Quel résultat? Je m'attendais vraiment pas à ça. Ce qui veut dire que Jérém qui était derrière moi va me passer devant. Chapi Chapeau étant absent, je vais passer devant. Et GG qui était derrière moi. Je vais lui prendre un petit peu de points. Et Fusion, oui, par contre, il va profiter de cette course pour s'échapper. Est-ce qu'il est intelligent de sa part? C'est pas batailler pour aller chercher absolument la première place. Se contenter d'une deuxième place, c'est bien pour lui, ça lui permet vraiment de prendre beaucoup de points, donc bravo à lui. Mister aussi Chris et David, quand même. Je pense que David se battait avec Jérém pour la victoire. Et qu'il y a dû y avoir un petit contact entre les deux. Dommage pour lui. Moi de mon côté, j'espérais vraiment la pluie pour pouvoir être un peu plus haut, enfin me battre un peu plus avec les leaders, mais malheureusement pas de pluie. Allez, c'est le dernier tour. On va en profiter de ce circuit que moi personnellement j'aime beaucoup, même si l'un des pilotes ici ne l'aime pas. J'aime beaucoup ce circuit, je trouve ça agréable. Notamment cet enchaînement là, c'est vraiment bon ça. Il me reste 5 litres, donc on va finir juste pile poil comme j'avais prévu. Très difficile quand même de rester concentré quand on est vraiment tout seul au milieu de la piste. Impossible de revenir sur ce devant et avec assez de marge sur ce derrière. C'est vrai que c'est pas facile. Néanmoins, j'ai été assez régulier, à part mon petit travers tout à l'heure. Sinon, le reste c'est pas mal, zéro pénalité. Donc voilà, c'est que je suis roulé assez propre. Thank you.
pas trop loin du premier. Et Fuso qui s'est voté. Ah non, c'est pas possible. Fuso indiqué quatrième, c'est pas possible. Bon, on verra bien. Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ça. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut les amis.